Présentons aujourd'hui un deuxième cas de diffusion moléculaire, toujours en régime stationnaire. Il s'agit d'une contre-diffusion équimoléculaire, une CDE, une contre-diffusion équimoléculaire qui va s'opérer entre deux gaz placés dans deux chambres distinctes, une chambre 1 et 2, séparées l'une de l'autre par une vanne. Dans la chambre 1, et deux, je vais mettre des quantités de gaz A et B en des quantités différentes, telles que dans le compartiment 1, c'est-à-dire la chambre de gauche, la pression partielle en A soit plus grande que celle dans la chambre 2, tandis que la pression partielle en produit B, dans le gaz B, est beaucoup plus grande dans la chambre droite. Ainsi s'opérera un transfert de masse du plus riche vers le plus pauvre, c'est-à-dire pour A de gauche à droite, tandis que pour l'espèce B, le gaz B, de droite vers la gauche. Bien, le système étant fermé, la pression totale pourra être supposée comme étant constante. Par ailleurs, la température du système sera maintenue constante. Nous disposons d'agitateurs pour homogénéiser les concentrations, les pressions au sein des deux systèmes. Donc, retenons que le système est fermé, par conséquent, la pression totale reste constante. Par ailleurs, la température restera constante dans mon système. Quand je dis système, je suis en train de parler des deux chambres ainsi que du conduit latéral. Bien, alors un peu plus dans le développement des calculs. Donc nous avons supposé qu'il s'agissait de gaz, nous choisirons par conséquent le modèle des gaz parfaits. Et donc par conséquent, puisque la pression et la température restent constantes au long des expériences, C qui est égal à P sur RT sera maintenu donc également constante puisque C égale à P sur RT, R étant la constante universelle des gaz parfaits. Par conséquent, le nombre de moles se conserve, Na plus NB reste constant dans tout le système. Nous pouvons donc dire que le nombre de moles de l'espèce A du gaz A sera égal exactement au nombre de moles de l'espèce B, mais dans des sens contraires, c'est-à-dire NA égale à moins NB dans la direction Z. Le conduit latéral, je ne l'ai pas dit, mais il est choisi de manière à ce que son rayon soit petit, de manière à privilégier uniquement la circulation, c'est-à-dire l'écoulement de la masse suivant la direction axiale. Bien, donc nous avons dit que si P était resté constant au long de l'expérience, le nombre de moles se conserverait dans mon système, c'est-à-dire les deux chambres et le conduit latéral. Alors maintenant, allons développer la procédure qui va me permettre d'obtenir mes deux questions auxquelles je dois répondre, mon profil de concentration ainsi que ma densité de flux molaire. Bien, donc la procédure est toujours la même. Na égale à Ja étoile plus Ta étoile. Ja étoile étant le terme de diffusion moléculaire. Ta étoile étant le terme de transport par convection massique. Donc remplaçons Ja par la première loi de Fick, ça me donne ceci. Et pour le terme de transport, c'est Yka fois la somme des Nk. L'écoulement étant unidirectionnel, il n'y subsiste que la direction axiale, c'est-à-dire Na ou Nb suivant Z. J'appelle Z la direction horizontale suivant laquelle s'effectue le transfert de masse. Donc, comme je l'ai dit, Na ou Nb d'ailleurs, suivant les directions radiales et tangentielles, sont identiquement nuls. Il n'y subsiste que Na ou Nb suivant la direction Z. Par ailleurs, nous avons dit que nous avons affaire à un écoulement également unidimensionnel. En d'autres termes, les concentrations ne varient qu'en fonction de Z. J'ai affaire à un binaire, donc A et B. Et comme nous sommes en contre-diffusion équimoléculaire, nous avons Na qui est égal à moins Nb. Donc écrivons maintenant, et pour un peu se simplifier la vie comme ce qu'on a fait avant, mettons un peu de couleur. Donc, puisqu'il n'y a que l'écoulement suivant la direction Z, Na,
ce sera NA suivant la direction Z. Dans le gradient subsiste uniquement le gradient suivant la direction axiale. Et ici, en marron, il y a NA plus NB que je vais écrire rapidement comme ceci. Bien. Étant donné qu'on se situe dans une contre-diffusion équimoléculaire et comme on l'a précisé par ailleurs, NA plus NB égale à 0, en d'autres termes, le terme de transport sera égal à 0, le terme de transport sera égal à 0, et pour me simplifier la vie, comme d'habitude, NAZ, je vais l'assimiler à NA, pour me simplifier l'écriture, j'aurai donc la densité de flux molaire qui est exactement égale à la densité de flux molaire de diffusion. De même, je pourrais affirmer la même chose pour ce qui est de NB. NB sera exactement égal à JB étoile, étant donné que nous avons, rappelez-vous, on avait démontré que JA étoile plus JB étoile était égal à 0. Par conséquent, JA étoile est égal à moins JB étoile, et que nous sommes dans le cas de la contre-diffusion équimoléculaire, on peut démontrer aisément que NB, c'est exactement JB étoile. Notons que le terme de transport il est égal à 0. Ça sera fait dans la prochaine diapositive, mais est-ce que, enfin pas la prochaine diapositive, je veux dire la prochaine séance, est-ce que le fait d'avoir un terme de transport égal à 0, chose qui est différente par rapport au cas étudié précédemment, où nous avions étudié la diffusion d'une substance active dans un inerte. Est-ce que cela n'aurait pas un impact sur les profils de concentration? C'est ce qu'on verra quand on essaiera de comparer les deux configurations vues jusqu'à présent. Bien, continuons. Donc, allons essayer de proposer une expression pour NA, c'est ce qui va être fait dans la prochaine diapositive, mais auparavant, je vais procéder à la séparation des variables. Je mets dans le premier membre NA fois DZ, le reste fois DY au second membre. Et comme d'habitude, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je vais faire sortir NA de l'intégrale qui va apparaître dans un instant. Et pour cela, je dois faire apparaître l'équation de bilan écrite sur l'espèce A, qui s'écrira comme ceci. La voici. Puisque nous sommes en écoulement stationnaire indépendant du temps, nous sommes en diffusion moléculaire en régime stationnaire. Nous avons affaire à une diffusion unidirectionnelle, ce qui veut dire que NAR et NATH sont identiquement nuls. Nous ne sommes pas en présence de réaction chimique, par conséquent, MA égale à 0. Nous avons bien, comme on l'a déjà précisé dans les applications précédentes, NA qui est égal à une constante, que par conséquent, je pourrais le faire sortir de l'intégrale. Bien, allons maintenant observer un peu plus tout ceci et proposons la relation tant attendue. La voici qui arrive, je reprends un peu la procédure, je la résume. Je vais juste remplacer ici C, puisqu'il s'agit de gaz, la concentration molaire de mélange par P sur RT, puisque le gaz est parfait. J'obtiens ceci. Et j'obtiens l'expression de NA qui est exactement égale à celle de JA étoile, qui me donne la densité de flux molaire en fonction de la force motrice de l'écoulement, en fonction de la force motrice de l'écoulement delta YA. Et je vais de ce pas donc proposer une expression du profil de concentration. Cependant, il me faut donc changer les bornes. Il faut que j'intègre de 0 jusqu'à un Z quelconque, c'est-à-dire de YK jusqu'à YKZ, comme ceci. À l'aide de ceci, je vais obtenir l'expression du profil de concentration en fonction des fractions molaires qui s'écrira comme ceci. Le voici. Donc voilà, nous avons trouvé l'expression de la densité de flux molaire et nous avons trouvé l'expression du profil de concentration que voici. Maintenant, on récapitule tout ça dans la dernière diapo. La voici. Donc pour ce qui est de la densité de flux molaire, voici comment ça s'écrit. Je peux appeler le coefficient qui précède la force motrice, le coefficient de transfert de masse, KY, qui s'écrira donc comme étant KY fois delta YK. Pour le profil de concentration, voici son expression. Mais comme je vois apparaître ici NART sur PDAB,
Comme on avait fait ça lors de la séance précédente, ne serait-il pas possible de proposer une expression alternative du profil de concentration en fonction uniquement des fractions molaires et de la géométrie? Ben, c'est ce que je vais essayer de vous proposer là rapidement. Je vois apparaître NaRT sur PdAB qui est exactement ici. Je vais les mettre en évidence, regardez bien s'il vous plaît. D'abord, je trace le profil, d'abord, je vais tracer d'abord le profil de concentration. YA est une droite décroissante, comme ceci. YB, à l'inverse, augmente le long du conduit. Z1 égale à 0, pardon, Z égale à 0 est ici. Z égale à L est ici. NA diffuse de gauche à droite, tandis que NB diffuse de droite à gauche. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, je vais proposer une expression alternative du profil de concentration en fonction uniquement des fractions molaires et de la géométrie. En effet, je vois ici apparaître NA fois RT divisé par PDAB, ça me donne bien delta YK divisé par L. Delta YK, c'est-à-dire YK1 moins YK2 sur L. Voilà, j'ai voulu cette séance relativement courte puisque les étudiants se sont un peu plaints. Ils m'ont dit que la dernière séance était relativement longue, chose qui est vraie. Je ne m'étais pas aperçu que j'avais passé beaucoup de temps et donc la séance avait dépassé les 50 minutes. Je vais essayer de faire en sorte que les séances ne durent pas longtemps, mais quand ce ne sera pas possible, je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas, lors d'une démonstration, arrêter et ne démontrer que, par exemple, la densité est laissée. Le profil de concentration pour une autre séance, ça ne serait pas judicieux de ma part. Bien voilà, nous allons dans la prochaine séance mettre au point une méthode pour pouvoir obtenir tous les cas que nous avons déjà vus, qui est une méthode très puissante qui me permet de retomber et de retrouver les cas précédemment utilisés. Nous répondrons aussi à une question: pourquoi dans tous les ouvrages, il y a toujours les deux cas particuliers qui apparaissent, la diffusion moléculaire d'un actif à travers un inerte et la contre-diffusion écumoléculaire, comme si que ces deux seules configurations, ben, elles incluaient toutes les opérations de transfert de masse. C'est ce qu'on va essayer de voir lors de la séance précédente, la séance prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.